Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles feuilles du déconfinement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier numéro de la revue Catholica, paru au printemps 2020 et évidemment conçu comme il se doit avant ces périodes de confinement au cours desquelles elle nous a été distribuée. La revue Catholica, comme son nom l'indique, est une revue, disons, de réflexion métapolitique sur l'organisation, sur la situation du monde catholique dans sa dimension politique, mais aussi de la situation générale de l'Église. Les contributeurs ne négligent pas d'aborder régulièrement des thèmes proprement théologiques, quoique la plupart du temps ce soit axé sur les grandes questions soulevées par des aspects de la crise présente. La revue s'annonce elle-même comme une revue militante, c'est le terme donné par la présentation des éditeurs. Alors militant, évidemment, ça veut dire qu'on parle de quelque chose d'intéressant et d'actuel avec une ligne éditoriale, une sorte de guide général, mais en même temps, c'est un militantisme des idées. Et l'une des grandes qualités de la revue Catholica, qui n'est pas une revue de vulgarisation dans son principe, c'est de donner accès à des publications à l'origine de langues étrangères, italiennes, espagnoles, parfois anglaises. Et cette revue, donc de diffusion plutôt universitaire dans son origine, nous offre dans sa dernière livraison un dossier qui est susceptible d'intéresser le plus grand nombre, cette fois, indépendamment de tout bagage philosophique reçu antérieurement. Et c'est à cause de cela que nous nous y arrêterons quelques instants aujourd'hui ensemble. C'est à propos de ce dossier intitulé La manipulation des masses, dossier qui est constitué, donc, dans les nombreux articles de la revue, de deux contributions majeures et d'un éditorial copieux et riche, très, très roboratif, qui se présente en vérité comme un article à proprement parler. La manipulation des masses, évidemment, le premier axe sur lequel insistent nos auteurs, et à commencer par l'éditorial de Bernard Dumont, c'est l'existence d'une société de masse. Société qui n'est pas seulement, il faut le remarquer avec les contributeurs, une société individualiste, mais une société précisément de la faillite de l'individualisme, c'est-à-dire une société où l'individu, à force d'être laissé à lui-même, se trouve déstructuré, désarmé, c'est une société de la vacance de l'individu. Hein. Dans l'éditorial, le philosophe belge Henri de Man est amené comme témoin pour décrire cette société de masse comme la société où les individus sont essentiellement agis de l'extérieur par des forces qui se communiquent à l'ensemble, mais qui ne viennent pas d'eux. Ainsi, la société de masse apparaît au premier abord comme une société de la manipulation, une société de la fabrique du consentement. Quittant le domaine du simple constat, et ce que le Bernard Dumont appelle une littérature déplorative sur le sujet, les contributeurs nous entraînent, et c'est le deuxième point digne d'intérêt de ces différents articles, nous entraînent à considérer que cette fabrique du consentement a été l'objet d'un travail attentif de techniciens de la question, que ce soit des philosophes, des sociologues, des psychiatres et divers représentants d'autres sciences ou parasciences. Un individu va jusqu'à parler un des contributeurs, je veux dire, pardon, va jusqu'à parler de pseudo-sciences. Donc, il y a dans cet état des lieux, une introduction à l'appareil intellectuel de ceux qui
constatant le fait ou l'entretenant, en tout cas s'investissent de façon pleinement volontaire et assumée dans la production d'une société de masse et dans son fonctionnement. Ces deux remarques générales sur l'orientation de ce dossier étant faites, revenons quelques instants sur l'éditorial lui-même et puis chacun des deux articles qui le suivent. L'éditorial fait référence aux travaux de Jacques Ellul. Jacques Ellul, qui est bien connu du public pour ses travaux sur l'écologie, sur la taille des sociétés humaines. C'était l'époque du Small is Beautiful, et est ici invoqué pour sa réflexion sur la propagande, et notamment, entre autres références intéressantes, sur les deux notions qu'il déploie de mobilité et de mythe. La mobilité, c'est une des caractéristiques de la société de masse qui la rend si perméable à la propagande. C'est cette permanente réévaluation des valeurs, cette constante révision, redistribution de l'échelle des valeurs qui fait partie intégrante de la vie de cet individu massifié, de cet individu écartelé, de cet individu vidé en quelque sorte entre ses différentes facultés, ses différentes puissances et l'incapacité à y assigner un terme. Et d'autre part, la notion de mythe. Alors le mythe, il ne s'agit en aucun cas du mythe grec, il s'agit d'une réalité qu'on pourrait appeler le slogan publicitaire, et d'ailleurs la publicité fait massivement recours à ce type de notion, de même que la politique ou certaines officines en charge de la conduite de tel ou tel domaine des affaires communes, qui est le slogan publicitaire, qui se présente comme un motif capable d'assigner une cohésion, un regroupement entre ces différents individus massifiés. Il n'y a pas d'échelle des valeurs, mais au motif de sauver la planète, on peut aller très 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 loin, fait remarquer Bernard Dumont. Si nous nous penchons alors du côté cette fois de l'analyse des contributeurs, des techniciens de cette fabrique du consentement, nous voyons ici se dévoiler, pour des raisons historiques plus ou moins connues et plus ou moins décisives, une caractéristique qui est celle de l'américanisation de la société dans son ensemble. Car même si certains soviétiques et certains auteurs français sont cités, l'essentiel des doctrinaires de cette ingénierie du consentement représentés dans ce numéro sont américains. Car s'il y a cette littérature déplorative dont parle Bernard Dumont, critique de la situation, il y a aussi ceux qui s'en réjouissent ou qui, en tout cas, prenant leur partie de la situation, veulent la transformation du consentement des foules. Et nous découvrons ainsi tout un appareil de techniques puissamment secondées par des moyens médiatiques forts aujourd'hui pour parvenir à guider les masses et notamment à lutter contre la résistance au changement qui paraît comme l'ennemi numéro un, que ce soit Monsieur Laurent Alexandre, par exemple, dans l'instauration de son programme transhumaniste, comme dans certaines critiques des mouvements réputés populistes, comme dans la critique du passéisme conservateur, pour prendre encore un exemple dans un autre domaine, qui s'exerce contre la famille et quelques valeurs enracinées de ce type. La résistance au changement, parce qu'il faut parvenir à un individu malléable, selon ces grands programmes que sont les mythes, l'éditorial se concluant sur l'espérance d'une hypothétique paninformatique délivrant finalement la société de ces canaux
de transmission du mouvement à la masse, en même temps que de la proposition systématique de biens matériels ou de biens culturels présentés comme des biens matériels. La deuxième contribution, signée donc d'un auteur espagnol, présente un intérêt particulier. Alors elle se consacre, elle, au coaching, à cette pratique de la gestion de l'entreprise, du gouvernement, même du développement personnel. C'est un rayon littéraire bien représenté dans nos librairies. Et là, elle présente un intérêt tout particulier de situer la question dans une nouvelle quête du bonheur, une quête du bonheur qui pourrait s'affranchir, en réalité c'est cela, s'affranchir sans s'y confronter de la question de la souffrance, de la douleur et du mal, de la malice, de la volonté mauvaise. Car pour parvenir au bonheur, chez un individu qui se sent de plus en plus privé de fondement, qui se sent de plus en plus fragilisé, il faut se libérer de la pensée négative. Car le cadre est bien ici, ainsi que l'évoque un auteur cité à l'appui de la démonstration, on peut affirmer que la modernité, qui est l'époque de la constitution du sujet, est aussi le processus de sa dislocation, de sa division, de sa scission. D'une manière générale, on pourrait dire que plus le sujet veut être fondement de l'ensemble et de lui-même, le seul et ultime fondement du tout, plus il se sent dépourvu de fondement. L'effondrement psychique devient partie intégrante d'un système qui peut exercer un contrôle social plus efficace. Se révèle ici, et il est intéressant de le noter, une première contradiction, c'est que cette recherche du bonheur, qui veut évidemment éradiquer la tendance négative, la conscience plus ou moins malheureuse, les états d'âme, la dépression de ce sujet privé de fondement, s'appuie en vérité sur lui. Et cet homme que l'on veut, à force de coaching, éventuellement très intrusif, et même corporellement, physiquement, très indiscret et autoritaire et brutal dans certains cas, dans certaines pratiques, c'est un individu qui est perpétuellement malade. Et on ne résiste pas au plaisir de citer ici, ce qui constitue d'ailleurs une autre bonne lecture de déconfinement, la pièce de Jules Romain, le docteur Knock. Le docteur Knock, vous vous en souvenez, hein, succédant à un médecin de campagne à l'ancienne qui a vivoté pendant 30 ans sans faire fortune dans un village de province, dans une petite ville de province, arrive et reprend les choses en main. Le docteur Knock a fait sa thèse sur les prétendus états de santé. Il ne connaît, quant à lui, que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide, et dont ils sont plus ou moins conscients. Le travail du médecin, au nom de l'intérêt supérieur de la médecine, étant évidemment, explique le docteur Knock, d'amener les gens à l'existence médicale. Amener les gens à l'existence médicale, travail auquel il s'emploie en esquissant un diagnostic quasi spontané à la vue de n'importe quel de ses interlocuteurs, qui devient ipso facto un patient potentiel de son officine. Cette considération sur le docteur Knock pour signaler aussi que dans toutes les techniques évoquées par les auteurs, il y a évidemment les techniques rhétoriques qui visent à éliminer cette résistance au changement, éliminer aussi toute forme de cohésion et toute forme de stabilité, de sécurité. Et là, la pièce du docteur Knock est encore un exemple, dans la mesure où la relation asymétrique que le docteur instaure immédiatement vis-à-vis de ses interlocuteurs le place dans la fonction du sauveur par rapport à la victime, et en fait ainsi un maître
de ces nouveaux patients qui deviendront à leur tour les actifs propagandistes du règne de la médecine. Car l'individu perpétuellement malade, et cela l'éditorial l'avait abondamment souligné, c'est aussi le bon citoyen qui dénonce ses voisins, qui fait sienne la norme après avoir été l'objet de ces actions très intrusives de la propagande selon ces divers mécanismes rhétoriques. Et cette propagande, là, s'exprime aussi en injonction et qui vise en réalité à la soumission de la pensée. Soumission qui donne toute sa place à un coach, le guérisseur, le docteur Knock, à l'époque du scientisme triomphant. Aujourd'hui, il y aurait peut-être d'autres formules, d'autres physionomies, encore que. Mais quoi qu'il en soit, une soumission, et là, la référence est donnée à Pierre Bourdieu, hein, en rendant tout l'avenir incertain, la précarité interdit toute anticipation rationnelle et en particulier ce minimum de croyance et d'espérance en l'avenir qu'il faut avoir pour se révolter. Vous avez compris, avec ces considérations sur la fabrique du consentement, sur le grand renfermement du confinement, et à Pierre Bourdieu, finalement, que je viens de citer, que de nombreuses références de ce numéro sont à gauche, ce qui n'enlève rien à la tenue classique de l'ensemble. Quoi qu'il en soit, peut-être que nous n'aurions pas dit, nous chrétiens, pour se révolter, mais simplement pour résister à l'oppression et d'ailleurs fondamentalement pour vivre, car l'espérance est nécessaire à la vie. Cette deuxième contribution s'achève donc sur des notes peu réjouissantes en ce qui concerne le coaching coercitif, hein, et elle ouvre à une pensée nouvelle, c'est que cet empire du coaching, qui s'appuie sur cet individu désarticulé, cet individu vacant en quelque sorte, ne considère plus la maladie elle-même comme devant être guérie, mais considère la simple pensée négative, cette pensée qui éloigne du bonheur, cette pensée qui éloigne du bien-être, du développement de soi. Donc un auteur décrit comme le développement physique, la prospérité spirituelle, l'empathie pour les autres et la santé sexuelle. Hein, ce qui donne d'ailleurs le panorama assez juste des perspectives de l'être humain laissé à lui-même. Mais quoi qu'il en soit, le mal à guérir, ça n'est plus la maladie, c'est la pensée négative elle-même. Le discours négatif lui-même, ce qui, évidemment, assigne des horizons infinis à cet empire du coaching, à cette mainmise sur la population. Dernière contribution de ce petit dossier, due cette fois à un auteur bien connu du public français, puisqu'il est l'auteur de très nombreux essais, mathématicien et philosophe, Olivier Rey, qui est donc auteur de plusieurs essais hein, des questions disons de politique, de société, mais plus particulièrement d'un petit livre très digne d'intérêt, L'heures et malheurs du transhumanisme, où il est justement question, hein, dans ces L'heures et malheurs du transhumanisme, de tout cet appareil rhétorique frappé de nombreux paralogismes et même, pour le dire tout à fait sophistique, qui vise à entraîner un monde résistant au changement dans la pente indiquée par les auteurs du courant transhumaniste. Alors quoi qu'il en soit, l'article d'Olivier Rey présent dans ce numéro n'insiste pas directement sur le transhumanisme, quoi qu'il revienne sur une idée qui lui est chère, ce sont les racines dualistes de l'empire managérial. Hein, les racines dualistes, alors la dualité de l'âme et du corps est remplacée par une confrontation étanche entre un monde matériel infiniment disponible au changement et la réflexion
qui le change. Aussi, explique Olivier Rey, la grande révolution industrielle n'est pas dans le déploiement d'une technologie nouvelle qui fait, c'est indiscutable, franchir un degré par rapport à ce que connaissaient les anciens pendant des siècles, mais bien plutôt dans la conception d'un corps comme machine, hein, de la nature comme d'un grand métier et du corps comme machine. Comme le disait un autre essayiste, selon une formule tout à fait remarquable, la différence entre moi et mon réfrigérateur, dans cette perspective-là, est simplement une différence de température. Ce qui en était est bien regrettable. Et l'homme, ainsi, se trouve progressivement emporté dans le courant de la modification permanente, car le monde de la nature, ce monde avec des esprits et des corps et des êtres corporels mais doués d'intelligence que sont les humains, devient absolument imperméable à l'observation, au moins à un certain degré d'observation qui avait été autrefois la philosophie de la nature et la métaphysique, à partir du moment où l'on adopte de tels présupposés. Ce que remarque Olivier Rey, c'est que cet empire managérial, donc il considère le traitement des passions et avec leur substrat corporel évident, comme la clé du bien-être, de la réussite, du développement personnel, et comme la clé de ce développement permanent, de cette évolution permanente dans laquelle la société de masse est entraînée sous la conduite de plus ou moins long terme de ceux qui éditent les slogans et qui ont les moyens d'en instiller le mouvement dans les foules, eh bien, cet individu lui-même se trouve confronté aujourd'hui à ce qu'Olivier Rey appelle un nouveau dualisme. Il y a, il cite un représentant des neurosciences actuelles, l'homme n'a plus rien à faire de l'esprit, écrit cet auteur, il lui suffit d'être l'homme neuronal. C'est-à-dire que dans le développement de ces pensées nouvelles, l'action sur le corps, l'action sur les supports même les plus corporels de la pensée, qui n'en constituent pas l'essence, mais qui en sont la base inséparable, finit par prendre le pas sur toute considération de l'esprit et ouvre la possibilité, dans la pensée transhumaniste, de remplacer ce substrat plus ou moins défaillant par le mécanisme beaucoup plus performant des algorithmes scientifiques, de même que la gestion publicitaire par algorithme peut prétendre gérer la masse en agissant sur ses passions, sur ses réactions intérieures telles qu'elles sont commandées par le flux des passions. C'est d'ailleurs le grand rêve totalitaire d'un philosophe comme Hariri, d'un apologète débridé du transhumanisme comme Hariri. Alors ici, nous voudrions quand même faire une remarque. Je voudrais introduire quelques petites remarques à propos en particulier de ce dernier article. S'il est vrai que le saut technologique est accompli dans la modernité est tout à fait décisif et ouvre à des perspectives nouvelles, et s'il est vrai, comme le dit Olivier Rey, que là n'est peut-être pas le plus décisif de la modernité, et que c'est au contraire la conception de ce corps-machine, de ce corps qui perd son autonomie dans le flux incessant de la matière et qui constitue la révolution principale. Si tout cela est vrai,
on aurait, à mon avis, intérêt à ne pas considérer uniquement cela comme le triomphe du matérialisme. Car il y a bien toujours le déploiement de cet individu qui réellement reste un être doué d'intelligence, et ce déploiement constructiviste de l'individu qui se démultiplie dans ses différentes virtualités et qui se trouve entraîné dans ça, dans le devenir de la masse, pas à cause de ça, à cause de sa faiblesse et à cause de cette ingénierie sociale dont il est ici question, c'est avant tout celui qui cherche à démultiplier dans la production de ses activités, dans la production de son, de son, de ses créations, à commencer par se créer lui-même, qui cherche donc à créer à son échelle l'éternité. Et d'ailleurs, cela, ça n'était pas directement le sujet de Livieret, mais on pourrait prolonger ses réflexions dans cette direction-là. La nouveauté n'est pas seulement, et n'est d'ailleurs pas essentiellement, le fait que le monde de la nature se présente comme maîtrisable. Toute avancée en médecine, toute avancée en science est d'une certaine manière une maîtrise de la nature. Et le projet qui est évidemment rattaché à la phrase de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, par lui-même ne constitue pas exactement une révolution dans la modernité. Mais c'est que il y a cette tendance à s'en rendre maître de manière indéterminée, indéfinie. C'est bien davantage en perdant le sens de que la nature est un ensemble ordonné que le monde a un sens, et plus exactement, pour en revenir à des questions plus proches des sujets adoptés par les articles, qu'il y a une nature individuelle des sujets, des individus, et que cette nature individuelle dit quelque chose au regard qui les contemple et permet d'en saisir la réalité. C'est en perdant cela que nous sommes ramenés, à la suite de tous ces, de ces quelques 50 pages de dossier, à la question à quoi bon? En vue de quoi? Qui est finalement la grande question qui est oblitérée dans la manipulation des masses. C'est que la finalité intermédiaire est certainement l'accumulation de la puissance, de la richesse, du capital ou de quelque autre chose aux mains de certains, vient altérer, vient occulter la question plus fondamentale de la direction et du but de la vie humaine et donc de l'organisation sociale. C'est ainsi que cet empire managérial se présente par lui-même comme le signe, la conséquence de ce que certains ont pu décrire comme la fin du politique. À ces considérations, le dossier se terminant ici, il faut certainement rattacher, entre autres contributions intéressantes que comporte le numéro, un article un peu désabusé sur le thème récurrent de l'inutilité des élections, thème récurrent qui, en quelque sorte, assume dans le débat public, et même chez ceux qui en sont les plus farouches défenseurs, le caractère illusoire du mécanisme électoral. Alors le numéro présente bien d'autres sujets, bien d'autres thématiques sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Je voudrais simplement, en conclusion de ces quelques mots, revenir à cette déclaration de Pierre Bourdieu citée tout à l'heure. L'incertitude de l'avenir interdit toute forme de projection rationnelle, qui est le caractère même de l'homme. Hein. Se projeter dans l'avenir, c'est le signe de l'intelligence et ça, une de ses premières fonctions. Mais c'est aussi la raison d'une espérance. C'est que un bien nous est connu qui peut susciter nos efforts en, par des promesses, par des gages donnés de sa réalisation. Or, nous qui avons, nous chrétiens, qui avons un lieu de notre espérance, qui avons un fondement dans les promesses qui soudent notre espérance,
Nous avons toute raison d'affronter cette crise, sinon avec une parfaite sérénité et avec une parfaite maîtrise, peut-être encore moins, du moins avec suffisamment de recueillement et de paix intérieure. Et c'est pourquoi je vous dis à très bientôt, avec cette fois un titre plus ancien, mais non moins intéressant, davantage propre à nourrir cette espérance et à cultiver notre méditation du mystère qui est si importante en ces jours.